comme tout à l'heure, c'est pour briser à gauche, et puis le trip qui est devenu un double avec Auxerre vertical 6 A et B. Et puis on terminera sur celui qui était le numéro 7, mais c'était un vertical en numéro 7, c'est un Auxerre maintenant en numéro 14 aux couleurs de Rhône Gestion. Voilà le barrage de ce Grand Prix de la commune de Bagnes qui opposera 6 concurrents, 4 Suisses, un Allemand et un Américain. Oui, fantastique les cavaliers suisses ici dans les grosses épreuves. On avait déjà été assez épatés vendredi, samedi, bon déjà jeudi avec la victoire d'Alain Youffert et Vivo dans l'épreuve comptant pour les Longines Kings, mais ça a enchaîné ensuite les jours suivants et c'est vrai que là d'en retrouver 4 sur 6 au barrage, c'est impressionnant parce qu'il y a quand même un sacré lot de concurrents, beaucoup de têtes d'affiches on l'a dit, pas mal de médaillés, mais on aura d'ailleurs une médaillée au barrage avec la vice-championne du monde et championne olympique par équipe, Laura Kraut, qui sera au barrage, tout comme le champion d'Allemagne 2012, Marc Pettinger. Donc ça va être une sacrée bagarre au barrage. On peut imaginer que, en tout cas, les 3-4 derniers, là, ça va aller très très vite. Donc les premiers sont avertis. Ils peuvent aussi essayer d'assurer sans faute hein, au début et puis viser une place d'honneur. Connaissant le tempérament des uns et des autres, il y en a pas mal qui vont essayer et ils sauront qu'il faut placer la barre très haut parce qu'à la fin nous aurons des cavaliers très rapides avec Marc Pettinger, Laura Kraut et Jane Richard Phillips qui sera la dernière à s'élancer. C'est un petit avantage et on sait qu'elle peut aussi être très rapide. Donc voilà, une sacrée.